Mabel, I'm away. Yeah, Oh, and you can face the barbroom. dear, I'll be back. Hello à toutes et à tous, c'est Benji, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 19, enfin, oui, de notre Let's Play Les Sims 3 en route vers le futur. Et ça fait assez... Ah bah ils ont eu une coupure de télé. Et bah t'attends bien, Futura, parce qu'il est l'heure d'aller te coucher. Alors, à l'épisode précédent, je me rappelle pas du tout de ce qu'on a fait, et ça date de très longtemps. Cassandre est mort, alors je ne sais, est morte, pardon. Alors je ne sais pas si c'est à l'épisode précédent ou avant l'épisode précédent, je sais plus trop. Ça date un peu tout ça, donc. Voilà. Ah. Allez, donc tout le monde au lit, les 10h moins 10, bon. Ça devrait aller, il n'y a pas trop de quoi faire un cinéma, mais bon, bon tu te dépêches, Futura, merci. Ah, bon. Ok. Donc je l'ai mis en chargement rapide, hein, si je délire pas, c'est ça. Donc il va recharger très rapidement. Comme ça, on va pouvoir aller là où je pense. Alors, l'épisode précédent, Futura était donc parti chercher... Waouh! C'est très joli, dites donc. Waouh! J'adore. Très joli. Donc, à l'épisode précédent, Futura était... Ah oui, c'est parce qu'il fait moins 2. Futura, donc, notre ami... Oui, Futura... C'est ce que c'est là? Non, c'est... Ah, c'est là. Notre ami Futura était donc parti... faire la quête au coffre au trésor ou je ne sais pas trop quoi, et notre robot cherchait des parties de pièces, enfin des parties de la clé. Attendez, parce que moi je sais plus du tout y jouer au jeu, c'est waouh, ça fait pas 4 siècles, pourtant j'y ai pas joué. Ah, lag, pourquoi je peux pas descendre? Ah, merci. Est-ce que c'est ça? Non, c'est ça. Fragment mystérieux. Assembler les fragments mystérieux. Donc on peut pas encore parce qu'il nous manque le fragment numéro 3. Attends, est-ce que ce Futura, tu l'as sur toi, le fragment 3? Excusez-moi les amis, ça lag là, je comprends pas. Alors, attendez. Non. C'est quoi ça déjà? Je me rappelle plus. Ah oui, pierre précieuse arc-en-ciel. Ah oui, c'est vrai, elle l'avait récupéré. Ah oui, et puis elle avait aussi récupéré une truite arc-en-ciel, en effet, ça y est, ça me revient. Donc direction là-bas. Putain, ça lag, qu'est-ce qui se passe? Bon, attendez les amis, je règle le problème de lag, à tout de suite. Ah bah non, c'est bon, c'est fini. Bon, bah, pas besoin de régler du coup. Donc oui, toi, va à cet endroit-là, oui. Bon, par contre, il y a un peu de neige. Si je délire pas. On va retirer la saison, alors attendez, option... Hop, là. Non, c'est là. Été, automne. Ok, hiver est déjà retiré. Ok, très bien, donc on se plaint pas. Alors, il faut qu'on trouve au bon endroit. Ok, notamment là. Ok, on peut fouiller ici. Il faut qu'on trouve ce fragment numéro 3. Donc c'est un peu... Je ne sais pas trop où il est, mais bon. On va attendre notre Sims. Oula, ça y est, ça recommence. Il y a un délire. Ça gronde bien. Ça va tomber à côté de chez nous, je suis certain. Ah, il y a des fragments ici. Tiens, je les avais pas vus encore. Le v'là. Vas-y, tu peux le faire! Vas-y, fais le marathon! Allez, vas-y! Allez, numéro 7, attention, numéro 7, mesdames et messieurs! Allez, vas-y, tape-moi dans la main! Vas-y, vas-y, vas-y! Ouais, wow, purée, fais rien peur! Allez, numéro 7! Allez, numéro 7! Tu peux le faire! Tu peux le faire! En plus, t'as fait un chargement rapide, hein, donc normalement, t'as aucun problème à y aller. En plus, tu es dehors, donc t'as la puissance d'être dehors. Ok.
Étant donné que là, on est dans le monde de l'utopie, on doit avoir de nouvelles récompenses qui se chargent à chaque fois à cet endroit. Donc, il faut qu'on trouve le fragment numéro 3. Mais malheureusement, c'est Brieux qui avait tous les fragments. Donc, c'est ce robot-là qui a récupéré tous les fragments. Donc, normalement, on ne devrait pas trop avoir de problème à ouvrir la porte. Mais bon, on sait jamais, on sait jamais. Hein. Allez, tu te dépêches. Alors, il a trouvé le fragment numéro 2. D'accord, donc c'est pas le bon. Là, il y en a deux. J'espère qu'il va trouver quelque chose. Numéro 2, mince, c'est pas le bon non plus. T'es à côté de la plaque, toi, c'est pas grave. Bah, numéro 2, il y a que ça ou quoi? Attendez. Oh, je délire pas encore. S'autoréviser, bah, autorévise-toi. Fragment mystérieux manquant, 3. C'est bien ça, hein, je délire pas. Et si on prend dans les derniers trucs qu'il a trouvé, le numéro 4, c'est le 3 qui manque aussi. Omniplante. Ah oui, on m'a dit un truc sur l'omniplante, je sais plus trop quoi. On verra ça tout à l'heure. Ah, là, il y en a deux. De pouvoir analyser ce côté-là. Y a des petites plantes, il y a des graines. Il y a des graines bizarres. Graines de café Kona. Graines spécialité inconnue. Graines spéciales inconnues. Ok. Cherche un peu au hasard. Hein. On vient trouver un truc noir d'un seul coup. Du noir sur du blanc. Ça se voit quand même. Hein. C'est pas par là, les amis. Non, non. Ah, là, non plus. Qu'est-ce que c'est? Récupérer, oui, je sais pas trop ce que c'est. Ensuite! Et on le voit pas de haut comme ça, non, on le voit pas. Ah, non plus. Fragment numéro 4. Ah non, c'est le 3 qu'il nous faut. Oh, purée. Chiant, hein? Pas possible. Bon, ça c'est quoi? Bon, c'est un bout de météorite, on sait. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, nanite! Des nanites! Oh, super! Oh, ça faisait longtemps que j'en avais vu, dites donc. En plus, là, avec un printemps 13 degrés! Ah oui, mais c'est en train de fondre, c'est pour ça que je me disais, attendez, attendez, il fait 13 degrés! Le parterre est complètement gelé. Moi, faut qu'on m'explique, hein, je ne comprends pas très bien cette météo très. Très. Très bizarre et qui ne correspond à rien de normal. Bon, alors, est-ce que notre ami va trouver quelque chose? Allez, le fragment numéro 3. Ouh, il a trouvé le numéro 3. C'est le numéro 3 qui nous manquait. Je délire pas. Alors, attendez, 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 attendez. Youpi. Enfin, bon, écoutez. Il récupère tout ça. Et après, on va ouvrir la porte. Alors, quelle est cette graine mystérieuse? D'accord, il ne s'est rien passé. Trouver graine spéciale. Ouais. Alors, il faut avoir le niveau combien? Vous ne pouvez planter que des choses. Ah oui, d'accord, c'est ce problème-là. Bon. Mais il a un niveau de jardinage ou pas ce robot? Non, mais il pourrait y travailler, tiens, un jardinage. Il doit avoir un robot jardinier. Ah, notre ami futur a élevé. C'est très bien. Futurisme au laser. Oh, il y a des nanites! Vous avez vu comme moi? En plus, je sais pas quelle est cette couleur de texture là, mais on voit tout bien. On récupère toutes les petites météorites. Comment ça se fait qu'on a 246 717 simples? Quand on rentrera à la maison, on vendra toutes les météorites. Parce qu'on gagne beaucoup d'argent avec les météorites. Hein. Alors, on vendra tout ça. Je crois que j'ai essayé de déjà attraper eux. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est bien, on fait un petit peu les poubelles. Hein. Écoutez, on essaie un petit peu de s'occuper comme on peut. Hein. Moi je fais ce que je peux. Alors, on va récupérer celle-là aussi. Et puis celle-là. Ah, t'es là, toi, coucou. Ok, donc t'as récupéré plein de trucs. Alors, tu vas pouvoir aller à l'endroit en question, ici. Tu vas aller récolter ça aussi. Bref, on le laisse faire, c'est lui l'expert.
vient d'entamer une énigme condensateur. Oui, enfin bref, il a récupéré tout parfait. Ah, en plus, c'est super bien, on va le faire juste au lever du jour. Alors, comment ne pas apprécier? Alors... Oui, il va nous récupérer des trucs, vous allez voir ce que c'est. C'est ça, des fleurs de cristal. Il peut pareil les planter, je trouve ça très très joli. Bon d'accord, il va nous faire toutes les fleurs de cristal du coin Oula, moi je vois ça, ça m'intéresse. Bon, c'est la dernière, hein. Parce que là c'est un caprice, hein. En train de nous faire un caprice, il faut qu'il ramasse toutes les fleurs du coin. S'auto-réviser à ce point. Mais non, ça va encore. Tu récupères de l'énergie parce qu'il fait jour, donc tout va très bien. Allez, tu vas devant, très bien. Tu assembles tous les fragments. Et après, tu examines la porte et tu insères la clé. Tout ceci ressemble à une clé mystérieuse. Oh, c'est tellement bien fait. Incroyable. Ok. Cool, alors on continue notre connexion de lama. Très bien. Nous avons un nouvel hologramme. Ok, ça en ira après. Et plein d'hologrammes. D'accord, ok. Donc, de le monde de l'utopie. Ils sont tous de mauvaise humeur, tu m'étonnes. Enfin, on va les donner à notre robot parce qu'il adore s'en occuper. Je suis le maître des clés. Non, mais peut-être pas quand même. Il les récupère tous. Il adore s'occuper des nanites. Enfin, c'est pas des nanites, des hologrammes. Donc ça va, ça ne lui poserait pas trop de problèmes. Allez, vas-y, tu récupères celui-là gentiment. Voilà, et là tu vas aller dans la grande pièce qui va s'illuminer dès ton entrée. Voilà. Et tu vas t'asseoir dans le fauteuil parce que il y a quelqu'un qui doit te parler. Je dis pas qui, mais... Enfin, c'est vrai que je suis un petit peu déçu pour cet endroit-là, parce que ça change à chaque fois, c'est normal, ce sont des piédestals qui rechargent des objets à chaque fois, et nettoyer Ronald, ah bah écoutez. Quand je dis qu'il s'occupe tout le temps de ses hologrammes, et il s'en occupe vraiment tout le temps. Hop là, il l'a rangé, je suis sûr dans 2 secondes, il va le ressortir. Ah non, monsieur s'autorévise, bon. Enfin, c'est vrai, ce robot-là, il est de qualité numéro 1, je crois. C'est ça, non, 2. Il est de niveau 2, et franchement, on parle là de qualité. C'est la qualité de ce plus beau, améliore sa qualité, ralentira la vitesse à laquelle l'entretien et l'énergie des batteries se dégradent. Augmentez votre niveau en fabrication de robots pour améliorer ceci. Oui, donc c'est tout ce qui s'occupe de faire son entretien. Mais au niveau de sa vie, les robots meurent s'ils sont de moins bonne qualité. Donc concernant ce robot-là, il est plutôt de très mauvaise qualité, mais il dure très longtemps. Donc c'est plutôt un excellent point de savoir que les robots durent plutôt très très longtemps. Ok, concernant notre ami Futura qui n'a pas très faim, mais qui travaille. Oh, notre ami Futura travaille. Eh bien écoutez, c'est plutôt bien. Elle va sortir du travail à 16h. Eh bien écoute, tu iras... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est les descendants. Eh ben écoute, ma petite Futura, en sortant de ton petit travail, tu iras manger un petit casse-croûte, hein. Tu iras manger un petit casse-croûte et puis toi, tu vas te rentrer, hein, oui. C'est cool, mais bon, tu peux pas non plus rester toute la journée, là, comme ça. Bon, en tout cas, on a quasiment beaucoup de fragments. Il nous reste encore beaucoup de fragments pour la prochaine fois. Alors attendez, il faut que je les retrouve, les fragments. Là, il nous reste encore le 3, donc voilà, si jamais... on refait un rechargement du monde, voilà, on aura quasiment tous les fragments à portée de main. Allez, donc, direction la maison. Ah! Par contre, on est en quoi, là? On est en printemps. Bon, ça va. Parce que notre robot, il fait que du ratissage, ratissage, ratissage. À un certain moment, faut arrêter un peu le ratissage. Donc, bon, là, il va être tranquille un petit peu pendant une période, parce que tout tombe pendant l'automne. Donc... concernant notre futur, elle travaille jusqu'à 16h, voilà, donc elle pue de partout, c'est pas grave. Mais néanmoins, tu vas quand même rester à l'intérieur et tu vas me ratisser quand même de ce qu'il en reste, hein, parce que bon... Je veux pas dire que ça fait crado, hein, mais bon... Ce qui est marrant, c'est qu'on a un seul arbre et il nous donne une quantité de feuilles, c'est tout à fait incroyable. C'est fou.
Donc je t'en prie, ratisse, hein, avec toujours tes amis écureuils, hein, qui sont toujours là, les écureuils. Hein. Je me demande ce qu'ils fabriquent, mais ils sont toujours là. Tant mieux. Oula, ça commence à puer. Donc, tu te dépêches, hein, parce que déjà que dans le monde de l'utopie, la mer n'est pas bleue mais turquoise. Tant mieux, on va pas s'en plaindre, ce monde est juste magnifique. Et en plus, aujourd'hui, il fait plus que trop beau. Regardez le beau temps qu'il fait. Waouh! C'est quoi ça? C'est des oiseaux, non? Ouais, c'est des oiseaux. Regardez-moi, les amis, ce monde. Waouh! Attendez, là, ça vaut une photo. Oh, c'est tellement beau, quoi. Je kiffe. Alors. Oui, monsieur. Discutez. Ah bah, si vous voulez, oui. Ah, elle a gagné de l'argent et il y a du tonnerre. Ok. Oula, alors attention. Elle est stressée. Elle est surmenée et elle pue. Alors, tu vas vite aller manger au resto, d'accord? Avant de faire une crise cardiaque. Waouh, c'est tombé où? Ah, c'est un bug, ça. Parce que normalement, dans le monde de l'utopie... Il y a tout sauf ça, hein. Dans le monde de l'utopie. Mais bon, on va pas recharger une nouvelle batterie. Une nouvelle partie. Alors, commander ce plat au déjeuner. Oui, on va se faire une petite salade synthétique. C'est bien, c'est mignon, c'est gentil. Allez, go, on mange. Okay, bah c'est bon, je sais pas où t'es, mais viens manger. Dépêche-toi. Il y a un robot qui attend ta commande, tu vois, c'est pour te dire... Bien, donc vous allez me chercher ma commande, mais vous revenez pas dans 4 ans, parce que la dernière fois, les amis, qu'on a fait une commande comme ça, ils sont pas revenus. Alors, je veux bien, mais bon. C'est légèrement... Merci beaucoup. De rien. Okay, ils sont tous en train de se mettre à mes pieds. Non, mais c'est bon, hein. Rosé jeté sur le cim. Ouais, si ça te fait plaisir, parce que de toute façon, ça, on va rien en faire, c'est des essences... Ok, d'accord. C'est lui qui me... C'est Futura qui est tout en jaune. Ok. Bon, allez, il est quelle heure? Oh oui, il est 18h, il est temps de rentrer, hein. C'est le temps de rentrer, de se prendre la douche et d'aller se coucher, bah il sera l'heure de... Voilà, quoi. Justement, oui, le temps de rentrer et de tout faire, bah il sera l'heure d'aller se coucher, donc. Ne perdons pas plus de temps, rentrons immédiatement à la maison. Ça justement, ça me fait penser aux Sims 4. Malheureusement, les voitures n'existeront pas dans les Sims 4, à ce que j'en ai compris. On n'aura pas de Sims qui montent dans une voiture pour aller à tel ou tel endroit. Eh bien écoutez, quand j'ai appris ça, j'étais waouh. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est une blague ou c'est faux. Et non, non, c'est vrai. Hein. Donc, il n'y aura pas de... Donc, déjà, on nous retire les piscines. On nous retire les bambins. Et, comment dire, pour finir le monde complètement ouvert, hein, il y aura un chargement, même si c'est un chargement de 5 secondes. C'est, voilà, c'est un chargement. C'est voilà. On ne pourra pas faire ça et puis faire double-clic là-bas, faire ça... Et arriver directement ici, puis pouvoir interagir immédiatement dessus. Voilà, ça y est, il n'y aura plus. Ce sera, encore une théorie, ce sera un monde un petit peu plus fermé, quoi, puis avec très peu d'habitations. Bon, après, voilà, à voir, à tester, hein, bien évidemment, je dis ça. C'est pas pour autant que je ne vais pas tester le jeu, hein, bien évidemment. Justement, je suis très curieux, donc on va aller tester ça. Mais bon, voilà. Sinon, oui, c'est bon, t'as mangé, tu pourras aller te coucher. Donc, bah voilà. J'ai rien d'autre à dire sur les Sims 4 actuellement, mais c'est vrai que quand j'ai appris ça, j'ai été plutôt très déçu parce que, bon, Sims 3, la promotion des Sims 3, c'était un monde ouvert. Et puis là, dans les Sims 4, on fait un pas en arrière. Enfin, c'est un pas en arrière, c'est un peu exagéré, parce qu'on nous rajoute des Sims plus intelligents. Mais au niveau du monde, au niveau de la map, c'est un pas en arrière. Bon. J'espère qu'après, avec de différentes mises à jour, ou peut-être différentes extensions, voilà, une extension qui fera un monde beaucoup plus ouvert, ça serait intéressant.
Hein, franchement, Electronic Arts, hein, ce serait une très bonne idée qu'ils fassent ça. Enfin bref. As-tu fini, toi? Est-ce que tu as tout viré? Oui, tu m'as tout viré, c'est très très bien. Donc je n'ai rien à te reprocher. T'as fait le ménage correctement? Ouais, alors tu vas remplir un petit peu ce gamin parce qu'il a un petit peu faim. Pose-moi cet hologramme. Laisse-le un peu se reposer, cet hologramme. Il est tout le temps en mouvement. La maison est propre, apparemment. De toute façon, Futura. La maison est vachement trop grande pour elle. Hein. Ah, Futura, dans sa maison, elle n'en fait rien. La grandeur de cette maison pour une personne et un robot, franchement, c'est très grand. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Grandeur, grandeur, grandeur. Ah oui, notre robot n'est pas fatigué, non? Parce qu'il passe sa journée dehors et puis bah, dehors, il recharge. Donc au final, il dépense quasiment pas d'énergie quand on arrive. Donc quand on arrive au soir pour charger les batteries, bah, ça pose pas de problème. Et par conséquent, tant mieux. Comme ça, il charge beaucoup plus rapidement et on peut faire plus de choses. Holophone. Appeler un sim pour discuter, tiens. C'est le téléphone, non? Tiens, on va appeler le notre gars qui s'occupe de temporel là. Oui. C'est pas ça que je voulais faire, c'était projeter un hologramme. Aucun sim éloigné connu à projeter. D'accord. Alors attendez, on va regarder un truc. Ça m'intrigue. Ordonner un plus beau 2. Projeter un hologramme 2. D'accord, ça Futura de. Ok. De toute façon, elle va bientôt se lever. Elle se lève à quelle heure? 4 heures du matin? Non, elle va sûrement se lever avant. Que là, il est 1 heure du matin et c'est bon. Et voilà, elle a fini. Vas-y, va lui demander un hologramme, s'il te plaît. Après, tu retourneras te coucher, bien évidemment. C'est toute logique. Plus beau de la famille, elle déteste. Je te déteste, je vais te tripler. Non, mais c'est vrai que Futura n'est pas du tout simple à vivre. À vivre, pardon. Elle n'est pas facile à vivre, donc bon. On essaie de faire ce qu'on peut, mais voilà. Alors, à mon avis, je vais devoir choisir un Sims. Qui est du présent, je suppose. De préférence, on va mettre Galaxar, tiens. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais je trouve que Galaxar est plutôt une bonne idée. Alors, attendez. Monde d'origine. Galaxar. Même les fantômes, d'accord, ok. Alors pourquoi pas. Aïe, pourquoi pas Galaxar? Ou alors je l'ai raté, non? Galaxar, les amis. Bon, attendez, on peut mettre des fantômes. Qu'est-ce que cette histoire encore? Non, on peut pas. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. On va projeter. On peut même pas projeter de la famille. D'accord. Bon, bah écoute, on va afficher numéro 1. On peut même pas afficher mon mari, ni. Enfin, le mari de Futura, ni. Ouais, dommage. Votre visiteuse projetée vient d'arriver. Oh! C'est trop cool. Numéro 1. Donner une désignation. Futura repart se recoucher jusqu'à 6 h environ. Oui, 7 h. Non mais tu le connais. Hein. Pourquoi il est tout comme ça? Numéro 1. Mais attends, mais c'est le même numéro 1. C'est le numéro 1 de la maison. Ok, c'est complètement buggé. Plumbo. Expliquer sa fonction. Parler du développement de son côté humain. Pour dire, voilà, ça fait des années, moi je suis au service de la famille. Hein. Toi tu étais au service de Cassandre. Et ben moi je suis au service de la famille depuis des années, des années, des années. Hein. Toi tu es comme une petite merde à côté de moi, bien évidemment. C'est toute logique. Hein. Plus apprentissage illimité, entraîner le sim. Oh oui, on va rigoler. On va lui faire du sport, les amis. On va lui faire faire du sport. Étant donné qu'on est niveau 10, on ne devrait pas se refuser. Hein. Par contre, les hologrammes sont plutôt très bien faits. C'est vraiment une preuve d'originalité.
C'est parfait. Ah, parce qu'on a un équipement de sportif à la maison. D'accord, j'étais même pas au courant. J'en apprends. Bah, où est la chambre, Brioc? Ah, bah, elle est là. J'étais même pas au courant que j'avais un équipement sportif à la maison, les amis. Alors, c'est pour vous dire. Je découvre ma maison grâce à ce sisme. À ce robot, plutôt. Ok, vas-y. Ah, oui, en effet, oui, t'es nul à chier. Allez, vas-y. C'est bien, faut quand même le faire, hein, cet hologramme, ils viennent dans le futur pour apprendre à faire du sport. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Il peut le faire tout le temps à la maison, mais non, que dans le futur. Bon, c'est bien, ça fait passer la nuit, hein, parce que la nuit, c'est très très long, et puis comme les Sims récupèrent assez rapidement leur journée, voilà. Allez, vas-y, go. Qu'est-ce qu'il y a ici? Invité grossier, mauvais comportement d'un invité. Mais non, c'est pas un mauvais comportement. C'est toi qui es en train de le coacher. Donc il n'y a aucun mauvais comportement. C'est n'importe quoi. 184. Futura travaille dans le futur, mais elle gagne quasiment que dalle. Mais au moins, ça l'occupe. Voilà. Au moins, elle est dans le futur pour une raison valable. On va pas la critiquer parce qu'elle est dans le futur et puis qu'elle travaille pas. Voilà, t'es dans le futur, Futura, tu bosses. C'est marrant parce qu'au niveau de la tête, il est très... Enfin, il y a beaucoup de lumière. Et plus qu'on arrive vers les pieds, plus que la lumière se dissipe. C'est pas mal du tout. En tout cas, sacré équipement ici, dis donc. Hein. Enfin, c'est marrant pour un robot d'avoir niveau 10 en athlétisme. Je savais pas que c'était vraiment possible. On devrait le faire astronaute. Ouais. On devrait faire numéro 7 astronaute. Je pense qu'on pourrait bien rigoler. Profiter de son énorme compétence. Ah, c'est vrai, parce qu'en fait, pour un robot, on lui met la puce de trait de caractère énergie solaire, on met le tapis dehors, on retire tout ce qui est social, tout ce qui est amusement, et il aura juste son entretien à améliorer en même pas 30 minutes dans le jeu. Et puis au final, en 3 jours, quoi, il a son niveau 10, quoi, 24 heures sur 24. Ça pourrait être pas mal. T'as gueule, tu as fini. Hein? Bah, il est parti où? Bon, j'ai eu le maximum divertissement que je peux avoir en un voyage. Merci d'avoir accueilli ma projection. De rien. Bah, Futura, tu vas te lever parce que si t'as un véhicule qui arrive dans 1 heure et que tu n'as pas encore mangé, et bah, comment dire, qu'il va falloir faire vite. Alors, vite. J'ai pas déliré. Brioc, je l'ai même pas entendu. Mais qu'est-ce que tu fous là? Oh, salut, ça va? Elle est où, Cassandre? Elle est pas là, mamie Cassandre? Bon, bah c'est pas grave. Cookies synthétisés. Des cookies depuis le matin. Allez, vite, on fait vite. Tu dois aller au travail. T'as mal à rien manger. Attends, tu vas prendre des brownies, tiens. Bon, fais vite, Futura, dépêche-toi. Le véhicule, il va attendre. Attendez, il faut quand même que Futura mange avant d'aller au boulot. Vas-y, mange un brownie très rapidement. Vas-y. Hein. Bon, on pourrait prendre des céréales synthétisées, mais bon, voilà, on est dans le futur jusqu'au fond, voilà. Allons à fond dans le plus absurde des synthétisés, à savoir le brownie. Voilà, après tu feras pas la vaisselle, hein. On a un robot qui fait que ça juste. Oh, à leur retard. Oh. Passe du temps, planétorium. Tu fais des compliments au patron, tiens. Va faire des compliments au patron. Je suis sûr qu'il pourra adorer. Super, à leur retard. C'est bien, hein. Deuxième ou troisième jour de travail, en retard au boulot. Je pense que le patron, il va plus qu'accepter et être entièrement d'accord. Ça, j'en suis certain. Ok. Bon, ça va, elle a réussi à rattraper son petit problème. Alors, notre robot, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il regarde la fenêtre. Regardez à l'extérieur de la fenêtre. Bah, c'est bien de regarder l'extérieur, mais tu peux aussi aller dehors. Hein. Je constate que tes batteries sont très faibles. Donc, tu vas aller me recharger... Rapidement. Vite, hein.
profiter d'aller charger rapidement. Et aujourd'hui, nous allons nous attaquer, à quelque chose, c'est la peinture, mais version future. Alors, je ne sais pas trop comment il va pouvoir, un robot va pouvoir peindre, mais on va essayer de lui rajouter ce tout petit qualificatif de peintre. À voir. En tout cas, le rechargement rapide, c'est pas mal du tout. Ok, d'accord, donc ça diminue. Ok. Bon. Alors les amis, je vous préviens tout de suite, il y a beaucoup de blanc, je n'y peux rien, c'est comme ça. Mais je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Alors là, comment... Il peint avec un stylet. Bon, déjà, ça c'est grande preuve du futur. Mais c'est pas mal du tout, c'est très bien. Bon, c'est très... un petit gamin de 6 ans. C'est même avant, 4 ans, 4-5 ans. C'est là, c'est pas... Bon, c'est pas du... C'est un peu du Picasso. Je n'ai rien contre Picasso. Par contre, j'adore la palette dans sa main, là, la palette électronique pour sélectionner les couleurs. C'est pas mal trouvé, ça. Ouais. C'est pas mal du tout trouvé. Ok, donc il est en train de nous peindre à peu près un soleil avec la mer. Enfin, un truc du genre. Bon, je sais pas trop ce que c'est. Ouais! Ouhou! Avec ses pinceaux et ses toiles, numéro 7 espère mieux définir le monde dans lequel il vit. Les limites de la peinture sont peu nombreuses. Ok, il vient de faire une erreur, il la corrige, c'est bien. Sont peu nombreuses. Ce sont la créativité et l'imagination qu'il doit nourrir et stimuler pour devenir un véritable artiste. Oh, tant de beaux mots. Tant de beaux mots. Ah, 3 simflouz, vous voyez, c'est... Alors, est-ce qu'on peut les accrocher au mur? On peut quand même. Et ça fait comment, du coup? Ça fait un tableau électronique? Attendez, ça fait comment? Ah ouais! Génial! Encadré. Génial! C'est bien fait, tiens. Allez, on va passer à une taille moyenne, tiens. Ça va lui faire plaisir. Allez, go! Qu'est-ce qu'il va nous peindre cette fois-ci? Un truc encore plus moche, peut-être, probablement, il y a des chances. Je sais pas trop. En tout cas, c'est cool, parce qu'on reste vraiment dans cet aspect de hologramme, truc en fait... Enfin, niveau 2, dis donc. Hologramme, truc fait en électronique. Enfin, on est dans cette idée-là, et c'est pas mal du tout. C'est bien, c'est bien. Et qui sait, notre robot va peut-être pas devenir astronaute, mais peintre. Ah, bah... C'est avec les Sims 3 Ambition, ça, on peut, c'est un travail à mi-temps à la mairie. Hein, il peut, ah, il nous peint un Sims, un losange. Oh, super, faut le garder celui-là. On va tous les accrocher dans la chambre à Futura. Elle va plus rien comprendre, elle. Elle va rentrer ce soir dans sa chambre, elle va voir tout ça. Elle va dire, foutez de moi, c'est pas possible. Ah, bah, elle est rentrée, tiens. Je l'ai pas vu. Oh, qu'est-ce qui est arrivé? Mordu. Vous ne savez pas vraiment ce que s'est passé, tout allait bien quand soudain, cet animal vous a sauté dessus pour vous mordre. Aïe, raison, animal sauvage, quoi? Attends, elle va pas se transformer en mutante ou je sais pas trop quoi là encore. À 16 degrés, ouais ça va, vas-y, à 16 degrés, fais-toi plaisir. Hein. Non, t'as pas intérêt de te transformer en mutante, Futura, je vais pas être d'accord. Hein. Ce n'est ni le lieu ni l'heure. De devenir mutante. Alors oui, qu'a-t-il fait cette fois-ci? Qu'a-t-il peint? Bon, en tout cas, c'est pas très terrible. Hein. Alors, on reconnaît bien le losange des Sims. Bon, très mal peint, mais bon, chacun fait ce qu'il peut avec son niveau. Hein, je le dis toujours. Mais là... Quel niveau? 18 Simflouz. 170, moins qu'hier. Ah oui, mais t'es arrivé un petit peu en retard. Niveau 2, encore un 3 Simflouz. Ok. Voilà. C'est très bizarre que ce soit clair comme ça, mais bon. Eh ben écoutez, c'est très design, hein. Moi, je... Bon, je... Après, voilà, est-ce que je... J'affectionne. C'est peut-être après un grand mot, hein, mais bon. Très sympathique, hein. Tant bien celle-là, tant bien l'autre, c'est... Oui, c'est sympathique. Voilà, je n'en dirai pas plus. Sympathique, c'est le mot. Ok, tu vas aller manger. Parce que tu fais bloup bloup là dans la piscine, mais bon, tu vas pas manger tout seul. Manger un dîner, un hot dog, ça c'est très bien les hot dogs. Hein, c'est... Aller en boîte de nuit.
Il y a une boîte de nuit dans le coin? Je savais pas. Où ça? Où est la boîte de nuit? C'est ça, non? Magasin d'importation. Là? Jusqu'à 3h du mat. Allez les amis, on va en boîte de nuit, hein. Tant pis, chargement, que pouette. On va aller faire la fête! Allez, c'est parti, on se prépare, les amis. On va faire la fête. Où est le robot? Allez, c'est parti. La fiesta, la fiesta. Attends, attendez une petite seconde, je règle mon micro. Voilà. Allez, c'est parti. On va faire la fiesta. Hello. Cet endroit a l'air totalement mort. Je ne crois pas qu'il se passera quel que ce soit. Il est peut-être temps d'aller ailleurs. Mais attends, mais non, mais faut pas être aussi pessimiste que ça, donc. Ah oui! Enfin, là, c'est peut-être pas du pessimisme, mais il a peut-être raison, parce qu'il est en train de diffuser, les amis, si on entend bien, de la musique classique. Je pense pas que ça attire beaucoup de monde, hein. On peut pas changer ça? Oula. Ok. Bon, il y a un sérieux problème de machin. Bah écoutez, il n'y a que ça en boîte de nuit, hein. Moi, j'y peux rien. Ça, c'est un restaurant. Parc commémoratif. Ah bah non, il y en a un autre là. Allez, viens, on se casse de là, ils ont de la musique classique, non mais la loose quoi. Ils écoutent de la musique classique. Oh la loose. Moi je prends ma Firis Arasica, hein, et puis on va à l'autre endroit où c'est nettement mieux. Hein. Ça se trouve, c'est encore de la musique classique. C'est de la musique classique. Genre. Bon bah écoutez, c'est pas grave, hein. Écoutez, on va jouer avec notre robot. Allez, go. On prend place. Qui de notre robot ou de Futura gagnera la partie? Pourquoi t'as arrêté? C'est parti, on y va. Moi personnellement, je suis pour numéro 7. Mais non, mais continue, Andouille. Ah, parce qu'il a plus de batterie. Je m'en fous, c'est pas mon problème. Allez. Attendez, non, je peux pas jouer avec toi. Il y a pas d'autres machins ici? Non mais c'est mort là aussi. Waouh! Des lucioles. Génial. Non, on s'en fout de la fête. Attends, il y a des lucioles dehors. Dépêche-toi. T'en as déjà attrapé, je crois. Ouais, là, lucioles. Sylvius. Attendez, on va les attraper. Attendez, faut qu'on récupère les lucioles quand même. Oh. C'est un gain de privilège. Tu l'as attrapé, non? Ouais, oh pff. Oh, cette Simflouze! Oh oui, en effet, on va gagner tellement d'argent avec ça, c'est tellement collecteur, quoi. C'est wouh! Incroyable! Et l'autre? Ouais, non, elle a pas réussi. Ah si, c'est bon. Wouah!
Pratinus à 11 Simflouz. Bon, comment il vole, lui? Ok. Bon. Bon, leur fête, elle est nulle. Donc, on rentre. Lui, il est resté là-bas, mais il va peut-être rentrer aussi parce qu'il a plus de batterie. À moins qu'il veuille faire la fête. Indéfiniment, je ne pense pas non plus. Mais t'en as déjà joué, hein, c'est bon. On entend tous les hologrammes qui pleurent. Oula! Ah bah ça, ça arrive, ça, malheureusement, oui. On est toujours nouvelle technologie, mais des fois, c'est jamais, c'est pas toujours mieux, plus pratique hein, que le simple escalier. Alors, bonne nuit tout le monde, parce que je crois qu'il est 2h du matin, c'est pas je crois, c'est qu'il est 2h du matin, et tout le monde a besoin d'énergie, alors, passez tous une bonne nuit. Pendant ce temps, nous allons aller contempler les fameux célèbres tableaux de notre ami... numéro 7. Bah, il est très clair comme tableau, hein. C'est vraiment l'aspect holographique qui est donné ici, mais bon, c'est pas non plus le plus beau tableau du monde, que tout le monde a envie d'accrocher aux Beaux-Arts, ou etc, etc, qui va valoir une certaine somme d'argent. Il vaut combien? Le tableau, il faut combien? Nommé. On peut l'appeler comment? Sims? Rigoler, hein. Et celui-là, il faut combien? Alors, attendez, hop, hop. Nommé, ça ressemble à quoi? Alors, attendez. Faut le regarder un peu de loin. Si je le regarde de loin, je fais un zoom. C'est pareil. Bon. Si on n'est pas pessimiste, puisque dans ces conditions, faut essayer d'être un peu gentil, à gauche, on a un tournesol. Ah non! D'accord, c'est bon, c'est passé. Donc, je disais... À gauche, là, on pourrait dire qu'ici, il s'agit d'un tournesol. Là, on pourrait ici dire qu'il s'agit d'un oiseau. Alors, on pourrait dire un avion. Mais il y a un petit peu de plume là, et là, on voit... Je sais pas si vous le voyez bien sur votre écran. Je vais essayer de zoomer un peu. C'est très dur à voir, mais là, on voit un micro-trait. Et bah, ce micro-trait, ça le bec. Voilà. Et là, il y a un chat sur une île déserte. Donc, on va l'appeler... tournesol. Non, fleur plutôt. Fleur, oiseau, et chat-il. Et chat-il. Voilà, on invente un nouveau mot, les amis. Chat-il. bon, voilà, c'est bon. C'est du niveau 2, hein. Bon, voilà, et c'est un athlète avant tout, hein, bon. On n'y peut rien, il n'a pas fait les beaux-arts. Hein, bon. Il fait ce qu'il peut aussi, hein, ce pauvre robot. Là, on est en train de l'engueuler, mais bon, en même temps... dans une heure, et bah Futura, tant pis pour dormir, t'avais qu'à pas faire la fête, on t'a prévenu, t'as préféré faire la fiesta, mes mères, et bah tu as payé le prix. Hop, voilà. Tu iras manger... ici. Alors attendez, qu'est-ce qu'on va bien prendre? Repas pratique, pratique rapide. Une bien fraîche. Ouais. Oh non, empanada. On va se prendre un bon empanada. Je sais pas ce que c'est pour ça que je veux en prendre. Et voilà, on est en retard au travail. Mais c'est pas grave, on est peut-être en retard au travail, mais on va quand même manger. Hein. Faut toujours manger. Voici the empanada. Oula! Mais il fait tout rose! Il fait tout rose, hein, il fait pas tout noir. Hein. Ok, allez au travail, y va. Alors comment est-ce qu'on est au travail? Pour l'instant, on travaille que sur l'humeur. Eh bah écoutez, on va faire des recherches sur les corps célestes. Histoire de bien bosser, et puis après on arrêtera. Voilà. Histoire de bien être à fond, hein. Oui, tu l'auras ta prime. Voilà.
J'attends 10 heures pour être sûr de bien être à fond et après on se mettra en truc normal. Hein. Oui, qu'est-ce que c'est? Utiliser de la rosée sur quelqu'un. On verra un jour. Ok, voilà, c'est bon. Allez, rien d'habituel. Voilà, comme ça, elle va passer une journée très agréable. Monsieur s'occupe de tous ces hologrammes qu'il a récupérés, et bah tant mieux. Hein. Ah oui, il y a tellement d'occupations à faire avec ces hologrammes qu'il a récupérés de partout, c'est qu'il passe sa journée, hologramme, nettoyer, s'en occuper, ça fait beaucoup d'occupations, hein. Sinon ça sert à rien d'avoir des animaux holographiques sans s'en occuper, c'est n'importe quoi. Hein. Oh, et puis donne-lui à manger à ce pauvre écureuil. Si t'as un écureuil et que tu lui donnes même pas la bouffée, il va crever, machin. Bah oui, non, il faut respecter à fond. Hein. Allez, on va jouer un jeu vidéo, duel en diable, et tiens, on va rigoler. Oula. C'est normal, on fait comme si qu'il y avait rien. En tout cas, lui, il s'éclate, hein, ça c'est sûr. Ah, bah non. T'éclates, mais t'as perdu. Il fait avec ses doigts, enfin, je sais pas trop comment il fait. Hein. Ses gestes n'ont rien à voir, j'ai l'impression qu'il télécommande la boule. C'est très... Ah, puis en plus, ça lui fait gagner de la culture geek. Alors, on peut dire que tout va très bien. En tout cas, il s'éclate. Tant mieux. C'est le but, hein. Ah bah voilà, on peut pas gagner à tous les coups. Et bah voilà, wow. Un coup. C'est pas terrible, hein. Monsieur est en train de chercher des amis sur Holoweb. C'est ça, hein, Holoweb. Monsieur va se trouver des potes. Comme s'il connaît pas assez de monde. Allez, on arrête de perdre du temps. Tu vas me faire maintenant une grande peinture, s'il te plaît. Allez, une grande peinture. Hein. Je veux que tu me fasses un Picasso de waouh. Si tu me fais les demoiselles d'Avignon, c'est très bien. Oui. D'accord, merci, au revoir. Ouais, bon. On peut dire que c'est une grande peinture, mais c'est le seul qualificatif qu'on peut lui donner à cette peinture. On va pas pouvoir lui dire, oh, mais quelle œuvre d'art! Il s'agit véritablement... Ah, et une prime, non? Manque le travail! Comment ça, manque le travail? Comment ça? Pourquoi Futura se casse du boulot? Tu vas les bosser, feignasse! Ah, c'est peut-être à cause de la météorite. Non mais incroyable! Elle était à je sais pas combien, à quasiment rien d'avoir sa prime, et elle a pas eu sa prime parce qu'elle est sortie du boulot. Mais tu mérites de coucher dehors. C'est tout ce que tu mérites. C'est pour ça qu'en fait hier elle est rentrée rapidement à la maison et que... Comment dire, qu'elle a gagné que 100 et des brouettes Simflouz. Parce que tout simplement, en fait, elle s'est arrêtée de travailler, quoi. Mais incroyable! Ah non, mais Futura, si tu crois que la vie fonctionne comme ça, eh ben écoute, ma pauvre, tu te trompes. Waouh, hein. Mais c'est tellement facile aussi maintenant. Même si t'es dans le futur, faut travailler. Hein. Si tu restes niveau 1 dans le futur, ça sert à rien. On rentre à la maison alors. Hein. Oh, ouais, non, mais c'est vrai. Alors. Ok, donc on a du courrier. Voilà ce que j'en pense. Ça, tu vas lire un livre. Ça va te détendre un peu. Alors, quel est ce courrier? Parce que rien ne rentre hein, dans cette enveloppe, dans cette... Wow. Ok, d'accord. Pour nuire à l'œuvre caritative. Faire donc pour nuire. Seulement pour nuire. Oh, c'est pour nuire. Oh, allez.
Futura est tellement dégueulasse, c'est qu'elle envoie de l'argent pour nuire. Écoutez, on a de l'argent, alors bon... Même si c'est pour nuire et être très dégueulasse, voilà. Futura, elle adore, c'est carrément le type d'activité qu'elle adore, alors... écoutez, on va pas se plaindre. Alors, tu allais me lire ton livre que t'as acheté. Alors, l'homme au pied ultra rapide. Vas-y, fais-toi plaisir. T'en as un, tu sers à rien, on le vend. L'homme au pied ultra rapide, donc. Parce que c'est vrai que... D'accord, ok. Ok, alors Futura, c'est la rat bibliothèque totale. Elle est pas rat bibliothèque? Non, pas du tout. Mais alors, elle nous lit un bouquin comme ça. Ah bah voilà, elle a pas fini. On est pleine lune. Ah oui, on est à pleine lune. Ouais. D'accord, t'as fini? Dans ton œuvre? Non, t'as pas fini. Ah oui, c'est très profond. Voilà, c'est ce qu'on, je pense que ce qu'on peut dire, c'est très profond. Putain, mais ils sont cons ces gens là, comme ça à la porte d'entrée. Mais t'as vu ton look? Ok, tu ressembles carrément à Cassandre. Mais c'est quoi ce look? À mon avis, elle a eu un accident lors de son travail, elle est restée dans des telles manières et elle est devenue zombie en étant au travail ou je sais pas trop quoi. J'ai reçu un message, et ben on va pas aller le voir. Maintenant, demain matin. Et on va envoyer notre robot. Chasser le simvoyeur. What? Robot! Va le chasser, le simvoyeur. J'ai jamais vu ça les amis, le simvoyeur. Attaque de zombies. Quoi? Oh, on va pas te parler en chinois non plus. Oh, tu vires. Allez, casse-toi. Voilà, c'est ça, t'as compris. Maintenant tu vires. Au revoir, à la prochaine. Et moi je récupère mon courrier. Je ne sais pas trop ce que j'ai reçu. J'ai reçu quoi? Rien du tout. D'accord, merci, au revoir. Ok, bon, écoutez, il est 20h05. Lui, il a plus du tout d'énergie. Futura, elle a passé une mauvaise journée, donc tu n'iras pas manger. Tu vas juste me finir ta toile avant d'aller te coucher. Futura, dormir. Oh, mais non, mais il tombe en panne, quoi. C'est pas vrai, quelle andouille. Oh, puis elle est encore pire. Je veux qu'il me finisse sa toile aujourd'hui. Alors tu vas me finir cette toile? Non mais donc. C'est moi qui décide, c'est pas toi. Là c'est bon, on a fini. Vas-y, finis-moi ce chef-d'œuvre artistique. Bon, Futura est embêté par la lumière, mais on s'en fiche pas mal. Finis-moi ça. Je veux voir une œuf. Non, d'accord, ok. S'autoriser. Dépêche-toi. Il faut que cette œuvre soit finie, hein. Sinon, tu n'iras pas te coucher. Hein. Bon, c'est pas un problème. Énergétiquement, tu récupères vite. En accéléré, les bruits sont hyper chelous. Allez, tu l'as fini très très vite, vite. Bientôt, Futura va se lever. À se lever pour dire « Attends, t'as laissé la lumière allumée toute la nuit, tu m'as empêché de dormir pour finir ton saleté de tableau qui va valoir même pas 20 simflouz !» Oh, je pense qu'on peut quand même en tirer pour 20 simflouz, les amis. Je sais pas combien vous pensez, mais bon, c'est pas catastrophe, il est niveau 3, on peut quand même en tirer pour un bon prix. Hein. Mais on s'en fiche de ça. Faut que tu le finisses. Faut le finir. Finir. Allez! Ah, oh, il est pas chiant ce robot. Tu charges un tout petit peu. Hein. À 4h du matin, t'arrêtes de charger, on rattaque le tableau. Oui, Madame Futura. Je délire pas.
Qui c'est qui fait de la musique? Non mais c'est le défilé ou quoi? What? Eh hey, oh, c'est du tapage nocturne ou quoi? Ok, bon, faut qu'on fasse comme si qu'il y avait personne. Oh non. Ah, Cassandre! Coucou! Bon bah écoutez les amis, j'ai un petit peu envie de vous dire que c'est la nuit de la rencontre, hein, entre les zombies, les fantômes, c'est vraiment... Ah merci, t'adores mon tableau, ça doit être sûrement pour ça. C'est la nuit vraiment des rencontres, entre les zombies, les fantômes, bref c'est la nuit des rencontres, c'est le gros bordel. Oui, j'avais compris. Où est-elle? Ah mais c'est comme ça que ça fonctionne ici. Oh, oh god. C'est Brioc? Ah! Coucou Brioc! Moi je vais plus vouloir aller dans le futur, hein. Y a tous les fantômes toutes les nuits, hein. C'est le gros bordel, hein. Moi je veux plus aller dans le futur. Ok, bon Futura, c'est pas de ton âge, d'accord? Alors tu vas me faire une petite sieste, d'accord? Allez, vas-y. Fais une petite sieste, voilà. C'est juste papa, c'est rien, voilà. Tu vas faire une petite sieste, hein. Tu vas essayer de ne pas écouter ce qui se passe. Voilà, ça sera parfait. Bon, vas-y, tes amis, on va se quitter là, parce que c'est un véritable bordel dans la maison, entre celui qui fait du rythme laser de heure, plus les deux robots qui sont dans la maison, pas les deux robots, les deux fantômes, et qui réveille notre fille de manière la plus illégale possible. On va faire une sieste. J'insiste vraiment, Futura, pour faire une sieste. D'accord, tu t'enthousiasmes à un fantôme, c'est n'importe quoi. En tout cas, les amis, merci d'avoir regardé. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire ainsi que de mettre un j'aime si la vidéo vous a plu. Et donc, il n'y aura pas d'épisode demain de Minecraft. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait un épisode des Sims 3 qui dure approximativement une heure, peut-être plus d'une heure, je ne sais pas trop. Mais voilà, donc on se retrouve sinon, normalement, mercredi avec un épisode de SimCity. Bien évidemment, il faut qu'on termine les épisodes de SimCity, comme j'ai parlé dans la vidéo, on parle planning 2, enfin planning de fin des vacances. Donc je sais pas encore comment on va s'organiser la dernière semaine, mais on sera à peu près dans... Voilà, on ira dans la dernière semaine, il y aura plus d'épisodes de SimCity que des Sims 3. Voilà, donc un j'aime et un commentaire, ça me fera super plaisir. Et on se retrouve donc rapidement pour un de vos épisodes favoris. Allez, ciao, bye bye.